Il vient tout juste d'inscrire un triplé face à Galatasaray. Qui est Rodrigo Goes? Qui est ce jeune pépitre de l'histoire du football? Il a du talent, respectueux. Qui est ce jeune joueur? Bonjour, bonsoir à tous, mon nom c'est Mianja Albert, soyez les bienvenus sur la chaîne Poupa Meia pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de Rodrigo Goes, la sensation du moment dans le monde du football. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer la cloche notification et surtout de laisser un pouce bleu, ça va beaucoup nous encourager pour apporter beaucoup plus de vidéos pour vous sur la joie de foot, sur les applications que vous avez besoin pour votre téléphone portable. Accrochez-vous mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la sensation du moment, un triplé face à Galatasaray, ce joueur est devenu un phénomène dans le monde du football. Son vrai nom c'est Rodrigo Silva de Goes. Il est né le 9 janvier 2001 à Osasco, une ville dans l'état de São Paulo. Il a actuellement 18 ans, il mesure 1m74. À l'âge de 5 ans, Rodrigo a fait savoir à son père qu'il veut devenir joueur de football. Son père de son côté lui a fait savoir pour devenir un footballeur professionnel et une personne disciplinée, il y a certaines disciplines à suivre dans la vie. Pour cela, il a écrit des choses interdites et aussi des choses à faire chaque jour pour pouvoir devenir un joueur de football et aussi une personne disciplinée dans la vie. Il les a même collées dans la chambre de Rodrigo. Parmi les règles à suivre, en se levant, prier à Dieu, en arrivant au club, saluer les autres, aux entraînements et aux jeux, restez concentré et ne réclamez pas avec les autres. Parmi les choses interdites, ne dites pas des mots vulgaires, ne vous moquez pas des autres. Ne vous trouvez pas meilleur que les autres. Dès l'âge de 10 ans, Rodrigo Goes a rejoint le FC Santos de l'état de São Paulo, un club brésilien. Il a pour idole Neymar Junior, lui aussi qui était passé par ce club de FC Santos. À l'école, Rodrigo était un enfant discipliné. D'ailleurs, dans un match de Libertadores où il a loupé les cours de sa classe, il a même dû demander pardon à ses professeurs sur son compte Instagram juste après avoir marqué un but dans le match où il a joué. Sur son compte Instagram, il a écrit ainsi « C'est une fierté que n'importe qui ne peut avoir. Pardon professeur, j'ai raté les cours pour un bon motif. » C'était une nuit merveilleuse. Rodrigo Goes a rejoint la catégorie de base le U20 du FC Santos le 21 juillet 2017. Tout de suite après, il a été vendu au Real Madrid pour 45 millions d'euros. Il a rejoint le Real Madrid le 1er juillet 2019 dès qu'il a eu ses 18 ans. Puis avec l'équipe première, il a déjà joué 6 matchs en toute compétition confondue, 4 matchs en Ligue et 2 matchs en Ligue des Champions avec des statistiques astronomiques, mesdames et messieurs. 4 matchs en Liga pour 2 buts et 2 matchs en Ligue des Champions pour 3 buts et notamment une passe décisive. Des statistiques qui font la une en Europe, notamment avec le journal Marca qui a intitulé Rodrigo Illumina el Bernabéu. C'était un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'écrire en commentaire de qui vous voudriez que nous parlions la prochaine fois dans nos vidéos. À la prochaine, que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de vous préparer pour le retour de Jésus-Christ.